Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire, selon ça, moi, Jenny Toussaint écrit là. Yes, m'a regardé là, conseil présidentiel, la CARICOM recommande d'écarter Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire. C'est eux qui te mettent là, pas les paroles. C'est eux qui te mettent. C'est CARICOM qui te mettent. C'est CARICOM qui a demandé pour tout l'accord. Parce que moi, je dis nos paroles là, nous pas de quoi. Et mais, Kounia, puisque, parce que je ne dis pas qu'il y a une corruption, sans pas qu'il y a corrompu, à corrupteur. C'est-à-dire, là, moi, par exemple, Gary Kony, Difok, président BNC à tout l'accord, pas un problème du tout. Mais, étroit conseiller que nous cité dans la corruption, est-ce que y a une lumière qui fait autour de ça? Non, pas gain. Alors que avocat, président BNCA, M. Sonel Saint-Louis, Sonel Saint-Louis, monsieur Kles pour ça, pour l'expliquer par A plus B, moun yo, yo cité non la corruption, c'est lui-même qui doit prouver qu'elle pas dans la corruption. Puisque c'est président, eh bien, rien va arriver. Eh bien, comme c'est CARICOM qui te mette yo, qu'on y a CARICOM mandé monsieur Tchoulako yo, pour lumière qu'a fait, bon, garder texte là, puis clair. Hein? Parce que moi, je dis, lors de la visite des éminentes personnalités de la CARICOM en Haïti, le dossier relatif au scandale corruption dans lequel sont impliqués les trois conseillers présidentiels a été abordé. À l'occasion, les diplomates de la communauté régionale ont dit souhaiter le retrait de Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire du Conseil présidentiel de la transition. De plus, ils se sont montrés préoccupés par le silence des secteurs dont les présumés corrompus sont issus sur la question. C'est normal, tout fait silence. Claude Joseph, vous attendez parler de ça. Moi, j'étais fonti parler sur Caraïbe, la preuve, va gagner, va voyer papier, on va un problème. Mais après, ça me bat dans rien. Vous comprenez, tout nèg fait silence. Eh bien, CARICOM, li dit, li souhaitait, justement, pour monsieur Sao Tchoulaka, on a conseil là, pour lumière faite, et yo dit que, yo paraît préoccupé parce que secteur de voyeur, yo fait silence sur dossier ça. Ah ben, à Bali. Donc, pendant visite yo en Haïti, qui sorti 11 pour Yves et Jodia, 16 août 2024 là, donc, personnalité ça yo, qui sorti dans CARICOM, yo invoqué performance gouvernement, Gary Kony, hein, en matière de sécurité sur ce point. Donc, c'est insatisfaction qui paraît visible. Donc, c'est ça, bah, là, est clair. Merci à Jenny Toussaint, qui écrit petit texte sur Hebdo 24 que n'a fait garder là. Donc, CARICOM, lui recommande justement, pour yo tchou là, monsieur ça yo, mettez yo sous côté pour nous souple. En attendant lumière faite sous affaire 100 millions gouttes yo te mandé et membre conseil président BNCA Hélène Dab dit ça gagne qui fâche avec moi té parler français pour encourager corruption dans pays ya hein dès pour bagarre est arrivé dans bouche RFI même d'a passer ça pour nous là RFI est dans la gue parole là vous comprenez ça me dit ça dire c'est tout le monde là qui concerné par dossier ça. Kounia sac passé là, CARICOM, gon délégation qui courir vient en Haïti pour lui demander sac côté RFI. Côté... Presse, bonjour Abla Jounaïdi, bonjour. À la une de la presse américaine, ce scandale. À part les maîtres Bolivar, on fait des autres, mon cher. Qui t'a fait parler? Haïti, peut-être celui de trop. Oui, à lire le journal américain. Ah, mon cher. Bah, on a fait des autres là. Oui, ça qui passe, mon cher là. C'est de corruption, m'a parlé. Ou bah, on quitte RFI parler, non, papa. Oh. Gardons, nèg, monsieur. Et monsieur a crasé l'émission, non, même, oui, baron, oui. Plus de presse, bonjour, Abla Jounaïdi. Bonjour. À la une de la presse américaine, ce scandale de corruption en Haïti peut être celui de trop. Oui, à lire le journal américain de Miami Herald, Florence, celui-ci menacerait carrément la transition. Car les trois mis en cause sont des membres du conseil présidentiel, l'organe chargé de cette transition. Selon le récit qu'en fait le quotidien de Floride, l'extorsion présumée s'est déroulée pendant 30 minutes dans la chambre 408 de l'hôtel Royal Oasis de Pétionville, à l'est de Port-au-Prince. Là, par un après-midi étouffant du mois de mai, trois membres du conseil ont rencontré le directeur d'une des banques commerciales publiques du pays et lui auraient demandé de payer 100 millions de gourdes haïtiennes, soit environ 758 000 dollars s'il voulait conserver son emploi. Le conseil était en plein processus de sélection du nouveau conseil d'administration de la banque. Les accusations sont graves, elles sont formulées par le président de la Banque Nationale de Crédit lui-même, Raoul Pierre-Louis, devant l'unité anticorruption du pays et aussi par courrier au Premier ministre Gary Kony en demandant un renforcement de la sécurité pour lui et sa famille. Les accusés, eux, nient les faibles. Le pays est habitué aux faits de corruption et aux accusations de ce genre. Autant on fréquence cité, le pays est habitué.
Ça dit ça fait corruption, attendez bien. Ça dit nous porter premier prix là-dedans. Attendez l'amour en ville. Ouais, pour ça dit yo dit nous porter premier lot dans corruption. Pays habitué à ça parce que c'est normal. C'est logique, corruption, président dans volant, tout bagarre dans corruption, il y a volant bagarre. Ça dit pour une femme jeune en poste, faut demander, faut qu'il ouais en Bali, etc. Pour le cas jeune poste là, pour un nèg jeune job, faut qu'il négocie. Vous comprenez? Gen nèg même qui compte négocier tout bagarre avec garçon tout parce que bagarre vient mélanger dans pays là mais nous là. Vous comprenez? Et ça faut un homme comme dire les pas ça pas ça. Il lui pas dans l'oreille ça. Ça dit gen nèg qui compte demander tout bagarre ça tout pour garçon tout, mais qu'on y a au mando, faut négocier poste là, faut ba un million l'argent. À Bali papa. À Bali, eh bien, ça me doit, pas première fois, non? Pays est aussi par courrier au Premier ministre Gary Conille en demandant un renforcement de la sécurité pour lui et sa famille. Les accusés, eux, nient les faibles. Le pays est habitué aux faits de corruption et aux accusations de ce genre. Mais souligne Miami Herald, même les soupçons obscurcissent désormais toutes les décisions prises pour pourvoir les postes gouvernementaux. Conseil était en train de sélectionner les nouveaux administrateurs. Ces nominations sont scrutées de près car elles sont un indicateur important de la qualité de la gouvernance. Les partis dont les membres sont mis en cause ont défendu leurs dirigeants. D'autres formations appellent à la démission des mises en cause et à une enquête interne pour préserver la crédibilité du Conseil. Gary Conille, lui, garde le silence sur cette affaire, de même que le président du Conseil. Le nouveliste y voit une manière de gagner à l'usure. Sauf que c'est que d'après les deux membres observateurs au Conseil présidentiel interrogés dans le journal, ils estiment que les allégations de corruption risquent d'altérer la confiance de la population envers ses dirigeants. Abla, on prend maintenant la direction du Chili, où les Haïtiens constituent la quatrième communauté d'étrangers, la plus importante derrière les Vénézuéliens, les Pérus. Merci, oui, merci RFI. Eh bien, pas de problème, non? Nous comprenons? Eh bien, qu'on y a, oui, CARICOM, selon Samsotli na Hebdo 24 là, CARICOM mandé pour Monsieur Sayo, tant pris souple, Tchoula Koyo, pour lui mettre en fait sous dossier ça, sous affaire scandale de corruption qui envahit là. Parce que là, bah, y a un petit crasse mélangé. Et une bralvé et tout, gonek qui dit,